Salut tout le monde, c'est Célico67 et je fais une vidéo YouTube parce qu'en vrai, ma tablette est cassée et... Mais non, je déconne, ça fait partie d'une de mes applications. Ah! Mais un plus bizarre. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de toutes mes applications. De toutes mes applications bizarres que j'ai sur ma tablette, notamment 266 applications bizarres. Non, alors, première application bizarre, on va voir si je suis une fille ou si je suis un homme. C'est parti. Tiens, il y a aussi ça. Ouais. Alors, bon, c'est des applications, c'est de l'arnaque, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça se trouve, ça mettra peut-être un. Ça se trouve, ça mettra peut-être fou. Je place mon cœur. Et dans ce top 10 des applications bizarres, nous avons l'application avec la bombe. Ça s'appelle faux message. Une blague de faux message. Sauf que la blague, c'est que ça marche pas. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que ce n'est qu'en 9e position. Et donc, maintenant le top 8. Enfin, je veux dire la 8e vidéo. Enfin, la 8e application bizarre. Je sais pas si tout le monde connaît normalement une vidéo. Des vidéos, ouais, bon, personne ne connaît. Si, bon, donc voilà, ça qu'à pas faire, à pas faire comme vous avez fait. Si, on peut faire, on peut faire, on peut faire. On va pas faire. Maintenant j'ai coupé. On va faire. On va faire. La coupe de grand-mère. On va faire. Tu veux jouer à Call of Duty? Ah tiens, faut que je fasse la mes vidéos ça. On peut faire. À cet instant, j'ai vraiment l'air d'une bite. Comme moi. Zéro. Enfin, la 7e application bizarre. Une merde qui saute. Voilà. La 6e application bizarre, qui normalement n'est pas bizarre, mais qui est bizarre vu que c'est moi qui utilise les applications. Donc attendez. On va la mettre. Elle est où? J'ai fait mal le bruitage. Alors. C'est moche. Faut mieux avec une vraie guitare. Hein. Waouh! Enfin, la 5e application bizarre qui n'est pas vraiment une application, mais qui me fait. C'est bien mon anglais. Hein. Donc, je sais pas si quelqu'un connaît Herobrine, c'est un gros Mexicain qui mange un burger. Herobrine, c'est quelqu'un qui change faire peur les gens, mais il n'y arrive pas. Mais dans cet endroit, avec des morts, juste là, ça fait quand même bizarre, ça fait quand même très peur avec lui. Allez, on y va. Ça commence un peu, beaucoup, passionnément avec mon cerveau.
Je sais pas pourquoi il y a un cerveau. Mais c'est une chambre d'hôpital. Mais dedans, on dirait un manoir. Alors, un manoir avec un cerveau, c'est logique en fait. J'avance jusqu'à ce qu'il m'effraie. Il faut tenir encore 50 secondes. J'ai peur, je n'avance plus. Il va bientôt bien pour lui. Oh, il arrive bientôt. Viens, mon enfant. Mon enfant. Donc la quatrième application bizarre, parce qu'une de mes applications ne voulait pas marcher, vous le verrez dans le bêtisier après. Donc, attends, donc bref, c'est une vidéo, oui, c'est une application qui dit la personnalité des gens. Alors vérité, mensonge, je ne suis pas vrai. Alors on met notre doigt. Bonjour. Je suis une fille. Bonjour. En fait, c'est ce qu'il dit, c'est une vérité. Ah oui, c'est un détecteur de mensonge, je pense. Aucune voix détectée. Ah bon? Entends-tu ma voix? Et comme c'est de l'arnaque, évidemment, bah, ils vont dire la vérité. Entends-tu ma voix? Mensonge. Ce n'était pas une question, ni une affirmation. C'était une question. C'est parti pour notre troisième application bizarre. En fait, ce ne sont pas une application bizarre. C'est juste mon application qui fait mon skin Minecraft. Et les gens connaissent Minecraft, comme tout le monde connaît Minecraft, mais bon. Yep, 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 ça charge, ça charge, ça charge, car c'est une pub. Donc en fait, on va appuyer là-haut. Et là, player name. Alors mon nom de player, je vous dis. C'est. Alors c'est une application bizarre d'un côté parce que ça ne marche pas. Je crois. Ico 67. Player doesn't exist. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, je crois, ou alors il existe. Moi, en tout cas, c'est mon personnage. Alors, moi que je l'ai appelé Thunderbrine, parce que d'un côté, je pense. Et ben, il n'existe pas. Il n'existe pas, le mode blanc. Voilà ce que ça fait, une application bizarre, parce que mon skin, on ne peut pas le trouver. Parce que je ne l'ai même pas téléchargé, il n'y a que moi qui vis sur cette planète. Enfin, une autre application bizarre. Si, ce n'est pas une application. Voilà. Mais maintenant, ça c'est pas une application bizarre, c'est juste pour vous dire quelque chose de terrible. Car je suis avec Squeezie sur Skype. Mais je sais pas si c'est le vrai Squeezie. Je lui ai mis que j'étais fan. Je lui ai mis pourquoi tu ne réponds pas. Mais il m'a toujours pas répondu pourquoi il ne répond pas parce qu'il ne peut pas répondre. En tout cas, moi j'aimerais bien l'avoir pour de vrai. Puis pouvoir s'appeler avec Squeezie. Alors, si elle regarde cette vidéo, ce qui m'étonnerait, parce que je ne suis pas si connue que ça pour l'instant, j'aimerais qu'il me réponde. Ah, moi, je lui mettrai des messages sur YouTube, c'est-à-dire que ça s'en sert. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Mais à mon avis, si sur Skype, elle ne répond pas, il ne peut pas répondre sur YouTube. À tout de suite!